Quand le Kadosh Baruch Hu Bdihiouv, dans la paracha de Masseh, que nous allons réciter ce Shabbat avec Matod bien sûr, eh bien, le Kadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu une étrange requête. Il lui dira exactement ceci. « Ve'horashtem et kol yosheve ha'ares mi penechem, ve'ibaltem et kol maskiyotam, ve'et kol salve masichotam te'abedu, ve'et kol bamotam te'shmidu. Et enfin, ve'horashtem et ha'ares, vishavtem ba, ki lachem natati et ha'ares la reshet ota. » Ainsi, Moshe Rabbeinu va devoir donner l'ordre aux enfants d'Israël, l'ordre suivant. Lorsque vous traversez le Jourdain pour entrer au pays de Canaan, vous devez expulser les habitants de devant vous. Vous détruirez toutes leurs pierres gravées et vous devrez démolir toutes leurs idoles de métal fendu et leurs hauts lieux. Débarrassez le pays et établissez-vous sur la terre, car c'est à vous que je la donne pour l'occuper. Effectivement, la terre d'Israël, c'est une terre qui est occupée. Toute la terre d'Israël, elle est occupée par injonction divine, par le peuple d'Israël, pour y accomplir une mission. Cette mission, c'est précisément la raison pour laquelle le peuple d'Israël a été choisi, ce fameux peuple élu. Et depuis que ce peuple a été choisi, élu au mont Sinaï, lorsque ce dernier, après la sortie d'Égypte, reçut la Torah, eh bien, depuis cela, il y a ceux qui s'inscrivent dans l'esprit, dans la lettre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et qui s'y adonnent, et qui poursuivent longuement et lentement cette route parsemée d'embûches, et ceux qui vont essayer de contrarier cette route. Il y a ceux qui vont dans le sens de la volonté divine, ceux-là, eh bien, constitueront toujours la minorité du peuple d'Israël. En effet, depuis des siècles et des siècles, depuis la sortie d'Égypte, en passant par le matin de Torah, la traversée du désert, l'entrée en terre d'Israël, c'est toujours une minorité du peuple d'Israël qui a raison. C'est toujours une minorité du peuple d'Israël qui va dans le sens de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ceci est tellement vrai que Dieu va nous donner des leçons à chaque fois que l'on mise sa confiance absolue dans le principe majoritaire plus que dans tout simplement la fidélité à Kadosh Baruch Hu. Même lorsqu'on arrive dans une situation moderne comme le principe d'un État d'Israël juif et démocratique, c'est-à-dire un système qui, sur la base duquel prévaut le principe majoritaire, on voit que nous arrivons dans une situation sans précédent dans l'histoire d'Israël, où une minorité, eh bien, va prendre de façon la plus non démocratique qui soit le pas sur la majorité. Il y a bien sûr derrière cette épreuve une leçon que nous devons tirer. Durant l'exil, les longs exils, n'est-ce pas, durant ces dures nuits de l'exil, nous avons vu que la majorité du peuple d'Israël a toujours été malheureusement écartée, morte ou anéantie d'une façon ou d'une autre. Et ça a toujours été la minorité qui en est sortie vivante. Lors de la sortie d'Égypte, c'était seulement un cinquième qui est sorti d'Égypte. Les quatre cinquièmes sont morts en Égypte. Lors de l'entrée en terre d'Israël, eh bien, c'est la quasi-totalité qui est restée, en tout cas la quasi-totalité au-dessus de l'âge de 20 ans, qui est mort dans le désert. Et ne sont rentrés en terre d'Israël que ceux qui avaient moins de 20 ans lors de la sortie d'Égypte. Et bien sûr, Yoshua Ben Nun et Caleb Ben Yefouné qui étaient l'exception. Et ainsi dans toute l'histoire d'Israël, lors de la destruction du Temple de Jérusalem, là aussi, il y a seulement un cinquième des Juifs qui ont accepté de revenir en terre d'Israël et pour la reconstruction, pour le deuxième Temple. Et ainsi, dans toute l'histoire d'Israël, la majorité des Juifs veulent s'assimiler, la majorité des Juifs veut se moderniser, veut se libéraliser, et ça donne des catastrophes, aussi bien à l'extérieur d'Israël qu'en Israël même. Alors, y a-t-il une solution pour finalement être en adéquation avec la volonté d'Hachem et vivre enfin heureux et en paix sur notre terre? La réponse était déjà dans notre premier verset. C'est qu'il faut prendre possession de la terre et il faut la nettoyer spirituellement, c'est-à-dire la libérer de toute forme d'idolâtrie. Alors, le texte parle spécifiquement de tout ce qui concerne les idolâtries au sens physique du terme, mais il s'agit aussi de l'esprit de l'idolâtrie.
C'est-à-dire que si Dieu nous a donné le mérite dans notre génération pour revenir en terre d'Israël, enfin, chez nous, c'est pourquoi? C'est pour que nous réalisions la suite du destin d'Israël, tel que prévu par les prophètes d'Israël, où tous les jours de deuil seront transformés en jours de joie, où tous les massacres seront transformés en réalité de paix réelle et durable, et non pas une paix illusoire que l'on veut tout de suite et qui donne la force à nos ennemis qui, de l'intérieur, en profitent pour nous faire du mal. C'est d'ailleurs ce que dit le verset, deux versets après, « Les imlotoris ou etiocheveha aresmi penechem » mais si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, eh bien, voilà ce que dit la Torah, voilà ce que Dieu nous prévient. Si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, ceux qui resteront seront comme des aiguillons dans vos yeux et des épines dans vos flancs. Ils vous harcèleront dans le pays que vous occuperez, alors je vous ferai à vous ce que j'avais résolu de leur faire à eux. Vous rendez compte un petit peu cette terrible malédiction qui apparaît dans cette paracha. D'un côté, on nous promet la meilleure des bénédictions si on accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et si ce n'est pas le cas, eh bien, certains vont vous dire, mais c'est pas vrai, on a un État d'Israël magnifique, moderne, le pays des start-up. Mais nous sommes très heureux, nous faisons partie de ces rabbanim qui sommes heureux de remercier Akadosh Baruch Hu tous les jours d'avoir permis le retour du peuple juif en Eretz Israël et de prévoir que le meilleur pour l'avenir de l'État d'Israël. Mais en attendant, tout ce qui va arriver à notre peuple dépendra pour beaucoup de la manière dont les dirigeants, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit les dirigeants politiques, les dirigeants religieux, les dirigeants rabbiniques, eh bien vont eux se comporter par rapport aux attentes que Akadosh Baruch Hu a par rapport à ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous allons engager comme effort pour réaliser ce que Akadosh Baruch Hu attend. Or, ce qu'il attend, bien entendu, c'est que nous accomplissions exactement ce que la Torah demande de nous, c'est-à-dire de vider toute forme d'idolâtrie, et pas simplement des statues ou je ne sais quoi, n'est-ce pas? Il s'agit de vider l'esprit qui nous éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Et si on ne fait pas ce travail-là, quand je dis « on », j'inclus la totalité des dirigeants, alors malheureusement, on hérite de dirigeants qui sont absolument illégitimes, qui prennent, comme je le disais dans la première partie de la vidéo, qui prennent la force, qui prennent le pouvoir par la force, et même au nom de la démocratie, ont le comportement le plus antidémocratique qui soit, et finissent par imposer leurs lois, sans doute pour peu de temps, puisque Akadosh Baruch Hu ne laissera certainement pas les choses se développer très longtemps ainsi, mais en attendant, eh bien, ce que dit la Torah est là. Lorsque nous contractons une alliance avec ceux-là même qui veut nous détruire, ils constituent des épines dans nos yeux et des aiguilles dans nos flancs, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la réalité, malheureusement, en Israël. Pour autant, comme nous sommes dans la prophétie de Zechariah qui dit que tous les jours de jeûne seront transformés en jours de joie et que toutes les souffrances et les malheurs que le peuple d'Israël a connus seront transformés en jours de bonheur et d'allégresse, alors nous prions avec le prophète Zechariah et avec tous les gdolei d'Israël de tous les temps, nous prions pour que ces ultimes épreuves que nous traversons et que nous subissons aussi bien en Eretz Israël même qu'à l'extérieur, eh bien, soit transformé très vite en une épreuve de joie, ou plutôt dont les résultats seront des joies pour chacun d'entre vous, pour tout le clan Israël. Amen, Kenny Hudson, Shabbat, Shalom, et voilà.